Bienvenue sur Anecdotech, la chaîne de découverte de la technologie. Dans cette vidéo, nous allons parler de la transition du son analogique vers le son numérique, ce qui en pratique correspond à la transition du vinyle jusqu'au CD. Vous avez sûrement entendu parler de ces termes d'analogie, de numérique, télévision analogique, appareil photo numérique, etc. Ici, nous allons expliquer pourquoi on est passé de l'analogique au numérique, quel est l'avantage et comment s'est fait cette transition dans le cas particulier du son. Tout d'abord, qu'est-ce que le son ? Le son, en fait, c'est la variation de la pression de l'air qui nous entoure. C'est comme ça que nous percevons un son, une musique. Alors, comment on enregistre le son ? Alors, par exemple, si vous regardez dans un logiciel de montage audio un son et que vous zoomez, vous allez voir quelque chose comme ça. Et maintenant, regardez ces deux sons-là. Si vous prenez le son du haut, ça donne quelque chose comme ça. Alors que si vous jouez le son du bas, vous avez quelque chose comme ça. Enregistrer du son, ça consiste à enregistrer cette courbe que vous voyez là, qui est la variation au cours du temps de la pression acoustique. Et donc, enregistrer du son sur un support, c'est enregistrer cette information. Alors, tout d'abord, comment marche le son analogique ? Si on prend la technologie analogique la plus ancienne utilisée communément, c'est le disque vinyle. Ça, c'est la technologie analogique par excellence. Qu'est-ce que ça veut dire analogique ? Ça veut dire que ça marche par analogie. Alors, analogie entre quoi et quoi ? C'est l'analogie entre la courbe que vous avez vue et le support. Le principe du disque vinyle, c'est que vous avez des micro-sillons qui sont microscopiques et qui tournent, qui font toute une spirale comme ça autour du disque. Et en fait, ce sillon n'est pas parfaitement droit. Il alterne, il varie. Donc par exemple, si on pouvait zoomer sur un sillon, on verrait qu'en fait, le sillon, au lieu d'être bien droit et de faire bien le tour du disque, en fait, fait des petites variations comme ça. Et cette variation reproduit exactement la forme de la courbe du signal que je vous ai montré précédemment. Donc en fait, on dessine en quelque sorte la courbe sur le disque. Après, pour le lire comment ça marche, vous avez un diamant qui touche le disque et qui va suivre le sillon. Et donc les variations latérales du diamant vont être détectées par un appareil qui va reproduire le son. Et donc on appelle cette technologie analogique, puisque on procède par analogie entre la forme gravée sur le disque et la forme du signal. Pour l'information stéréo, il y a une astuce, c'est qu'en plus de faire varier latéralement le diamant, on le fait varier en profondeur. Le disque, la profondeur varie, et donc cette information de profondeur permet d'un côté une deuxième information, ce qui permet de faire le signal stéréo, puisque dans le cas du signal stéréo, on a une courbe pour le signal gauche et une courbe pour le signal droit. Et on reproduit donc les deux informations de cette manière sur un disque vinyle. La cassette audio est ensuite arrivée pour remplacer le vinyle progressivement. Là encore, il s'agit d'une technologie analogique. Alors par exemple, ici on a la cassette de Boucle d'or et les 3 ours. Alors comment ça marche quand on enregistre cette cassette ou quand on la lit ? Alors vous vous rappelez, le son, c'est la pression acoustique qui varie au cours du temps. Et donc on peut la représenter comme une courbe qui est la variation de la pression acoustique au cours du temps. Pendant que le temps s'écoule, la cassette tourne. Donc, à chaque instant, c'est un endroit différent de la bande qui est sous la tête de lecture ou d'enregistrement, selon qu'on lit ou qu'on enregistre. À ce moment-là, si la valeur de la pression acoustique est élevée, c'est-à-dire si on est sur un point haut sur la courbe, on va enregistrer un champ magnétique avec un champ magnétique important. Et donc, le magnétisme de la bande va être élevé. Si par contre, la valeur de la pression acoustique est basse, donc on est bas sur la courbe, on va enregistrer avec un champ magnétique plus faible et donc on aura un magnétisme plus faible. Et comme la cassette tourne au cours du temps, les variations du magnétisme le long de la bande correspondent directement à la hauteur de la courbe du signal. C'est pour ça qu'on appelle ça une technologie analogique, là encore, puisqu'il y a analogie entre le niveau de magnétisme sur la bande et la hauteur de la courbe au même moment. Donc là encore, on a une technologie analogique, même si elle est plus sophistiquée que la technologie du vinyle, elle est un peu plus compliquée puisqu'on utilise le magnétisme de la cassette. Cette fois-ci, pour stocker l'information stéréo, avoir le canal gauche et droit, en fait, on a divisé la bande latéralement en quatre parties. Donc la bande que vous voyez là est divisée en fait en quatre zones pour le canal gauche et le canal droit. Et comme la cassette peut être retournée, on a le canal gauche et le canal droit de l'autre face de la cassette, en dessous. Maintenant, on va parler de la technologie numérique avec le CD. Alors un CD, comment ça marche ? En fait, un CD, c'est une surface plate sur laquelle il y a des trous. Donc, dans le principe, ça ressemble un peu au vinyle,
Sauf que dans le vinyle, on a un sillon dont la hauteur varie et où la forme varie également latéralement. Dans le CD, par contre, si vous regardez un CD au microscope, vous voyez que ça donne ça. Donc vous voyez qu'on a vraiment une surface plate avec de temps en temps des trous. Et les trous sont tous de la même profondeur et il n'y a pas de variation latérale. C'est, il y a un trou, il n'y a pas de trou, en fait. Donc en gros, on a l'impression que c'est comme un vinyle où on aurait stocké du morse. Sauf que bah, sur un CD, on n'a pas envie de stocker du morse, on a envie de stocker de la musique. Alors comment ça fonctionne? La première étape pour stocker un signal sonore sur un CD, c'est d'échantillonner le signal. Alors on part du signal de la courbe bleue qu'on a vue tout à l'heure. Ce signal, on va l'échantillonner, c'est-à-dire qu'à intervalles de temps réguliers, on va regarder où se trouve la courbe. Et donc on regarde ces points rouges-là. Et donc ces points rouges représentent l'information que l'on va stocker sur le CD. Et on ne va pas stocker en fait la courbe bleue, mais uniquement ces points. Alors, les points rouges sont très rapprochés, il y en a 44 100 par seconde. Donc on fait des mesures très 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 rapidement quand on enregistre, pour enregistrer sur un CD. Ensuite, pour chacun de ces points rouges, on va mesurer la hauteur, c'est-à-dire l'ordonnée du point sur le signal sonore que vous avez vu précédemment. Et donc, les hauteurs de ces points sont représentées par des nombres. Et ce sont ces nombres qu'on va enregistrer sur le CD. C'est pour ça qu'on parle de numérique, puisqu'on stocke les nombres sur le CD qui représentent les hauteurs de ces points. En anglais, on dit digital, parce que digit veut dire chiffre. Mais comment peut-on stocker ces nombres sur un disque? Alors maintenant, on va faire une autre étape, c'est qu'on va partir de ces nombres et on va les transformer en binaire. Le binaire, c'est une suite de 0 et de 1. Donc par exemple, le nombre 42 s'écrit comme ça en binaire. Vous voyez, on transforme chaque nombre en une série de 0 et de 1, selon une règle bien précise. En réalité, sur le CD, on utilise 16 bits. 16 bits, ça veut dire que chaque nombre est stocké sous la forme de 16, 0 ou 1. Et donc en fait, la valeur 42 s'écrirait en réalité de cette manière-là. Avec 16 bits, on peut stocker les nombres avec une très grande précision. En fait, il y a 65 536 valeurs possibles. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous mesurez la hauteur des points sur la courbe, c'est comme si vous aviez une règle pour mesurer la hauteur et que sur cette règle, il y avait 65 000 graduations. Vous voyez qu'il y a une extrêmement bonne précision pour enregistrer ces nombres. Mais comment transformer ces nombres en binaire en une suite de creux sur un CD? En fait, on fait la transformation suivante. On va créer un signal qui s'appelle le signal numérique pour lequel il n'y a que deux valeurs possibles, une valeur haute et une valeur basse. Par exemple, pour ce codage en binaire-là, on va obtenir ce signal. La logique est la suivante. Quand vous avez un 0, vous restez en haut ou vous restez en bas. Quand vous avez un 1, vous changez de côté. Si vous êtes en haut, vous passez en bas. Si vous êtes en bas, vous passez en haut. Donc en fait, ce sont les changements de bas à haut, de haut à bas qui correspondent au 1 et le fait de rester au même endroit qui correspond à des 0. Donc pour rappel, tout ce signal orange que vous voyez là, c'est racodé un nombre en binaire qui lui-même sert à coder un point de la courbe du signal de départ, le signal analogique. Donc en fait, tout ce signal-là que vous voyez correspond en fait à un seul point de la courbe analogique. Si on veut coder plusieurs points de la courbe analogique, ce qui est indispensable si on veut coder un signal sonore, étant donné que je vous ai dit qu'elle avait 44 000 par seconde, il faut répéter ce processus. Et donc par exemple, pour 3 points, on aura ce signal-là. Voilà. Avec ce signal orange, le signal numérique, on est presque possédé. Maintenant, il n'y a plus qu'à piloter un laser en utilisant ce signal pour savoir si on allume ou si on éteint le laser et on obtient directement l'information qui est sur le CD. C'est-à-dire que quand il y a un creux dans le signal, on met un creux sur le CD. Quand on est sur une bosse, on ne creuse pas le CD et du coup, la suite de creux et de non-creux sur le CD correspond directement à ce signal. Alors en fait, là je triche un petit peu, les CD de musique qu'on achète dans le commerce en fait ne sont pas faits comme ça. Ce qu'on fait pour ces CD-là, c'est qu'on grave une matrice avec laser, comme je vous ai dit là, et ensuite on presse les CD comme si c'était un tampon pour en fabriquer une très grande quantité de CD identiques. A votre avis, qu'est-ce qui coûte le plus cher à fabriquer là-dedans? Est-ce que c'est de grader la matrice qui permet de faire le CD? Est-ce que c'est la matière du CD lui-même? Ou est-ce que c'est l'image qui est sur le CD ici qu'on voit? En fait, la bonne réponse, c'est ce qui coûte le plus cher à fabriquer là-dedans, en fait, c'est ça. Ça coûte plus cher à fabriquer que ça, en fait. Alors, quel est l'avantage du numérique par rapport à l'analogique? On a l'impression que les CD vinyles sont un peu le même principe, mais sur le vinyle, un point dans le sillon correspond à un point de la courbe de départ, directement avec la hauteur du diamant. Alors que sur le CD, il faut regarder 16 points différents, voir si ce sont des creux ou pas, pour retrouver un point de la courbe de départ.
Donc on aurait l'impression, a priori, qu'il faudrait 16 fois plus de place pour la même information. Et donc on pourrait stocker 16 fois moins de musique sur un CD, sur un vinyle. Or ce n'est pas le cas, sur un vinyle on peut stocker en gros une heure de musique, et sur un CD on peut stocker un peu plus d'une heure, 74 minutes. Donc le CD arrive tout à fait à stocker une grande quantité d'informations, malgré l'apparente inefficacité du stockage numérique. Alors l'astuce évidemment, c'est que le CD est beaucoup plus miniaturisé que le vinyle. Sur un vinyle ici, vous avez une spirale formée par le sillon, et pour lire un vinyle d'un bout à l'autre, en fait, on va faire 2000 tours à peu près. Sur le CD maintenant, vous avez également une spirale, qui est microscopique, qu'on voit absolument pas, mais qui en fait 30 000 tours. Donc c'est en miniaturisant plus 30 000 tours de spirale au lieu de 2000 tours, alors même que le vinyle est plus grand d'ailleurs, qui permettent au CD de stocker une grande quantité d'informations, bien qu'il y ait besoin de plus de creux et de bosses pour stocker la même information au départ. Alors d'accord, vous allez me dire, tout ça, ça explique comment le CD fait pour compenser son stockage inefficace en apparence par rapport au vinyle, mais quel est l'intérêt du CD? Alors, vous savez que le CD, ça a remplacé la cassette en fait et pas le vinyle. Alors pourquoi on est passé de la cassette au vinyle? Quel est l'intérêt en fait? Une cassette, ça permet de stocker aussi bien dans les 90 minutes, donc ça stocke une grande quantité de musique aussi. Alors quel est l'intérêt du CD? Alors vous le savez sûrement, l'argument marketing, c'était la qualité de la musique sur CD par rapport à la qualité sur cassette. Alors pourquoi est-ce que la musique sur CD est de meilleure qualité que la musique sur cassette? Alors imaginez maintenant que vous ayez ce signal-là au départ. Ça, c'est le signal que vous enregistrez. Vous allez le stocker sous forme de magnétisme sur votre cassette. Mais le problème, c'est que votre cassette, par exemple, va s'user. Et au fil du temps, à force de lire la cassette, votre signal, en fait, va devenir ceci. Ce nouveau signal-là, qui est un peu déformé par rapport au signal original, donc il y a une légère perte de qualité. Si maintenant vous copiez votre cassette sur une autre cassette, là encore, il va y avoir une légère perte. Et la copie, par exemple, va avoir ce signal-là. Enfin, si la copie elle-même s'use, le signal va encore être déformé et vous allez arriver à ce signal-là. Et là, le son est vraiment très pourri. Et donc ça, c'est le problème de la cassette. À chaque copie, on perd de la qualité, et quand la cassette se dégrade, on perd de la qualité également. Ça, c'est le principal inconvénient de toutes les technologies analogiques, en fait. Et maintenant, avec le CD, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, imaginez que vous ayez un CD qui lui-même se soit dégradé au fil du temps, et que vous ayez non plus le signal orange au départ, mais ce signal rouge qui s'affiche là maintenant, vous voyez, qui est déformé. Alors, vous voyez que le signal est très déformé par rapport au signal original, et que si on se pose la question sur ce signal rouge, quand est-ce qu'on est en haut et quand est-ce qu'on est en bas, on va reconnaître très clairement les hauts et les bas, comme sur le signal original. Vous voyez, quand le signal rouge est en haut, on voit bien qu'il est en haut même s'il y a des déformations. Donc, si maintenant on lit le CD et qu'on a ce signal rouge à la lecture du CD, on va bien reconnaître ce qui est un 0 de ce qui est un 1, puisqu'on reconnaît clairement les états haut et bas, comme dans le signal original. Du coup, on va avoir la même suite de 0 et de 1, qui code donc pour le même nombre. Donc on va récupérer le même nombre qui est codé en binaire. Et ce nombre, je vous rappelle, correspond à un point de la courbe du signal de départ. Ce qui veut dire que quand on reconstitue la courbe de départ, on va mettre le point exactement au même endroit. Et donc, malgré le fait que ce signal soit déformé, le son qui sort des enceintes, lui, va être exactement identique au signal de départ, ce signal-là. Et donc vous voyez qu'il n'y a à ce moment-là aucune perte de qualité. Et c'est ça la vraie révolution numérique. C'est pour ça que le numérique est de meilleure qualité. C'est parce que bien que le signal puisse être un peu abîmé sur le support de stockage, le résultat, lui, est totalement conforme à la version de départ. Et il n'y a aucune perte de qualité. Et c'est ça la véritable révolution numérique. C'est ça qui fait qu'un CD a une meilleure qualité qu'une cassette ou un vinyle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était la troisième vidéo d'Anecdotech. Si jamais vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager et à cliquer sur j'aime, et aussi à vous abonner. Si jamais à tout hasard vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur mes jolies carottes pour vous abonner. Et si jamais vous voulez vous rendre sur notre page Facebook, cliquez comme toujours sur mes fesses.